la sérendipité, l'inspiration Velcro. Passionné de technique, à 12 ans, il a déjà déposé son premier brevet, portant sur un modèle réduit d'avion en tissu. Georges de Mestral, l'ingénieur suisse diplômé de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, a pour hobby la chasse, qu'il pratique assidûment. C'est au cours d'une battue dans les Alpes, en 1941, il a alors 34 ans, qu'il est frappé, en nettoyant son chien, de la solidité du lien entre les pointes de chardon et les poils qui forment un ensemble difficilement dissociable de crochets et de boucles. Réflexe d'ingénieur, il en analyse consciencieusement au microscope quelques échantillons et a l'idée, à partir de cette observation, d'un concept de fermeture totalement nouveau. Déterminé et pugnace, il mettra plus de 10 ans, dans l'incrédulité générale, à transformer son idée en une réalisation pratique, traversant toutes sortes de difficultés techniques et financières. Mais en 1952, Velcro, contraction de velours crochet, était né et allait devenir un succès mondial. Ce fut aussi l'exemple parfait de ce qu'on appelle aujourd'hui la sérendipité. Illustration éclatante de l'importance de multiplier les activités extérieures à la poursuite de son projet, l'inspiration peut venir de ce sur quoi on est concentré, mais aussi, et je dirais même surtout, des activités au cours desquelles on peut laisser son imagination vagabonder. Trop de leaders se laissent déborder par les exigences du quotidien de leur art et négligent ce qui contribue le plus à leur équilibre, la créativité. Celle-ci, se nourrissant de la variété, c'est en changeant constamment d'activité qu'on stimule son cerveau. Nombre d'entre elles y contribuent. Les déplacements professionnels et personnels, par exemple. La lecture aussi. Il faut prendre le temps de lire non seulement les revues spécialisées ayant trait à sa discipline, mais aussi la grande littérature, la poésie, les biographies qui sont toujours des sources d'inspiration. L'entraînement de sa mémoire. Il y a de multiples méthodes pour le faire. Apprendre par cœur en est une très efficace. Mener une vie saine, un bon sommeil est nécessaire à la récupération et à la santé. De plus, il est prouvé qu'il stimule l'activité du cerveau. Prendre le temps de se livrer à des activités physiques pour déclencher ce qu'on appelle les messagers chimiques du cerveau, la dopamine en particulier, drogue de la récompense, qui procure une satisfaction bienfaisante pour le cœur et l'esprit. S'évader dans des divertissements qui libèrent, qui permettent de se concentrer sur autre chose. Être capable, enfin, de faire le vide de temps en temps. Un certain nombre de grands leaders américains adoptent aujourd'hui la journée hebdomadaire déconnectée. Mobile en mode avion, PC et tablette hors connexion, ils en profitent pour se livrer à des activités n'exigeant pas d'être branchés sur Internet afin de pouvoir réfléchir sans contrainte temporelle et chercher des idées sans vagabonder d'un sujet à l'autre au gré des pages qui défilent quasi automatiquement. L'inspiration est un thème que je développe dans les 10 commandements du leadership. À bientôt !